une fois de plus, malheureusement, j'avais raison quand je dis qu'à chaque fois, on relance les équipes de notre championnat. Et à chaque fois qu'on a la possibilité de se mettre un peu tranquille, parce que ce soir, c'était très important de gagner ce match pour le maintien et pour finir tranquillement la saison, et ben, on fait ce qu'il faut pour se remettre la pression dans les semaines qui viennent. Bon, pour le moment, il n'y a pas de catastrophe, mais enfin, il va falloir se remettre très rapidement au travail. C'est un avertissement. Ça fait bizarre. Non, ça fait du bien surtout. Ça nous rend heureux de gagner. Bon, ça faisait un moment qu'on n'avait pas réussi des résultats à l'extérieur. Donc, ce match, ces deux matchs, je dirais, parce qu'on a couplé le match de Reims et le match de Nancy, sont tellement importants que réussir ce résultat ce soir, c'est vraiment satisfaisant. On sent qu'on a un état d'esprit aujourd'hui, je pense, qui... On peut faire ce qu'on veut, on ne prendra pas de but parce qu'on est solidaire et on ne lâche pas. Maintenant, il ne faut pas qu'on reste sur cette victoire, qu'on continue à progresser et à avancer. Forcément, oui, c'est un coup d'arrêt sur le plan comptable et surtout c'est un coup d'arrêt sur le plan de la prestation qu'on a fournie. Et il va falloir cravacher, ça c'est sûr. Pour ceux qui pensaient que ça allait, que ça allait être tranquille, qu'on avait fait le plus dur. Le plus dur, il n'est pas là. C'est comme pour marquer un but. Hein. Le plus dur, c'est de la mettre au fond. Et nous, le plus dur, c'est quand on aura mathématiquement atteint notre maintien. Et je ne sais pas combien de points il faudra en fin de saison pour atteindre cet objectif. La seule certitude, c'est qu'il faudra montrer autre chose que ce qu'on a montré ce soir pour pouvoir atteindre notre objectif. Merci beaucoup.